Eh bien salut les amis, c'est Kermano, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Crash Bandicoot 4 sur PS4, oui comme d'habitude. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, donc on est au niveau des équilibres et on a bientôt fini ce monde d'ailleurs. Normalement c'est genre le dernier niveau, après il y a le boss mais voilà, enfin les boss c'est tranquille. Faudra que je remette d'ailleurs le mode rétro pour le boss, ce serait quand même un peu plus cool. Ma récompense, ouais non, ma récompense tu vas la prendre dans la face là, c'est quoi ça? C'est probablement invincible. Si c'est un fantôme... C'est déjà mort, donc normalement on peut pas le tuer. Enfin, on va le tuer à nouveau. What? Quoi? Attendez. Oh, bah, d'accord, si, d'accord. Mais quoi? C'est quoi ce délire de courir sur les murs? J'ai pas bien compris. Alors donc, je saute. Je croyais qu'il fallait rester appuyé sur le bouton croix. Aïe. Oh. C'est pas souvent qu'on voit Crash se faire tuer par un ennemi dans cette série. Mais c'est trop cool ce truc de courir contre le mur. Waouh. Mais franchement, mais on est dans Crash ou dans Sonic? On n'est pas dans Sonic, sinon ce serait nul. Quel est... Ouais, trop nice. Ça, je l'avais vu dans le trailer, mais en fait, j'étais persuadé que c'était une transformation qui nous permettait de courir contre les murs. Et en fait, non. C'est des trucs scriptés et grave cool. Waouh, popopo. Mais franchement, Crash... Non mais... Waouh. Ça passe dans mes jeux préférés là, dans mes jeux de plateforme. Bah, non, pas dans mes jeux préférés, mais dans mes jeux de plateforme préférés. Il est grave cool ce Crash 4. Alors, déjà que les trois premiers ils sont quand même top tiers, mais alors là c'est. C'est nickel quoi. Y'a rien en haut? Y'a pas un truc là? Non, d'accord. Moi j'ai un coup, c'est pas souvent. J'ai jamais été invincible depuis le début du jeu, j'ai un peu honte. Aïe. D'accord. Je peux pas faire autrement, j'y serais pas arrivé. D'ailleurs, si je meurs et que je perds mon coup, c'est la misère. Ok. What? C'était un passage secret ça? Mais ça s'est ouvert devant mes yeux sans que je fasse rien de spécial. Bon bah ok, cool. Attendez, vous pouvez arrêter de les... Ça m'a sauvé une vie, nickel. Mais ils peuvent arrêter de faire en sorte que ça aille si vite que ça, genre les trucs? Parce que ben... C'est bon, enfin... Je suis pas si rapide que ça. Encore un coup, c'est une blague. J'aurais pu avoir deux à coup si je m'étais pas fait avoir bêtement. Ok, c'est reparti. Est-ce qu'on va devoir courir contre les murs avec ça? Oh bah vas-y, tu l'es si tu veux. Vas-y. Et... Ouais. J'ai du mal à attraper des petits fruits. Non, non, non. Aïe, je suis mort. Je suis pas mort, mais j'ai pris cher. Oh, c'est une blague. Oh, le timing, il est chaud. Oh non. Il y a une cassette ici. Ça va parce que pour les cassettes, ils sont pas trop vaches. Genre, généralement, quand même, elles sont pas très très loin de la fin. Il y a juste un niveau où je me souviens plus lequel, mais genre, ils étaient pas sympas. Genre, la cassette, elle était super loin. Et je sais pas comment je vais faire pour la récupérer un jour. De toute façon, je finirai jamais ce jeu à 100%. J'ai jamais fini un Crash à 100%. C'est impossible qui fait ça. Faut vraiment être un bon joueur, quoi. Donc, pas Kirbendo pour le coup. Oula, oula, oula. Très bien. Oh non, encore un bonus. De ce que j'en vois pour l'instant, il a l'air d'être un peu plus simple que les autres. Ouais, c'est bon, je sais comment on fait. Voilà. Il y a des gens dans les commentaires qui me disaient beaucoup dans les premières vidéos, tu sais, Kermendo, si t'appuies sur le bouton rond, et ensuite sur le bouton croix, tu sais que tu sautes plus haut, mais oui, je sais. Ok. Ah, je m'attendais... Je croyais qu'ils étaient trop loin. Bon, bah, barrons-nous, hein. Et je fais comment, là? Comme ça. J'aurais peut-être pas dû... Mince, mince, non c'est bon ça. Oh. Pff, ils sont sérieux? Ils sont sérieux? Bon, comment on fait alors pour là-bas? Déjà, on peut pas sauter au-dessus du truc, donc... Laisse tomber, ça me saoule. Oh, ouf, j'ai failli me jeter dans le vide. Je croyais qu'il fallait aller vers le haut. Ok. Non mais, il est... passage, enfin les trucs bonus comme ça, mais vraiment, en fait, la plupart du temps, c'est que je me dis juste, mais comment faut faire, en fait? Genre, c'est des casse-têtes, c'est pas juste de... Ok. Non. Quoi? Ah, ouais, je pouvais passer comme ça, mais sinon, ouais, il y avait un moment où je pouvais passer quand même. Ouais. Tranquille, tranquille. Ce truc-là m'a déjà tué au début, je veux pas que ça se reproduise. J'ai fait mon double saut beaucoup trop tôt. Ouais, c'était vraiment beaucoup trop tôt. Hein. Ok, les fruits qui sont en bas, on s'en fiche. Oh, oh, oh. Punaise. Allez. Punaise.
Si je retire ça. Attendez, ouais, mais j'ai pas assez haut là. Waouh, waouh, waouh. Ok. Et si je fais. Faudrait que je redescende en fait en vrai. Que je me renvole comme ça. Je peux plus faire mon double saut, je l'ai déjà fait une fois. Ouais, faut vraiment forcément être en tourbillon quoi. Ah punaise. Pourquoi j'essaye d'avoir ces caisses là? De toute façon, j'ai pas eu toutes les caisses du jeu, donc enfin du niveau, donc laisse tomber. Hein. Oh. Ah bah je les ai cassées. D'accord. C'était laborieux mon. T'arrivais. Ça va, j'avais un coup, mais quand même j'aurais bien voulu ne pas me faire toucher par ça. Allez. Si je meurs, je vais oublier de faire demi-tour pour aller chercher le truc, mais bon. Ah, on peut courir contre le mur là. Nickel. On l'a pas eu assez de fois ce truc là, de courir contre le mur. Oh. Allez, go. En plus, il y avait un autre à-coup là. Hein. Genre, j'ai vraiment une malédiction. J'arrive jamais à avoir de à-coup. Enfin, je les ai un par un et après je les perds. Genre, rapidement. Oh. Non, non, ça tire aussi. Ça dit un peu dur le jeu là, non? Oh. Pas cool. Ok, c'est bon, c'est bon. J'aurais pu ne pas le détruire en vrai, parce que le bloc de nitro à la fin, il les aurait détruits. Non mais les nitros, mais il les place à des endroits, mais genre vraiment l'horreur quoi, l'horreur. Vas-y. Wow. Quoi? Donc je pense qu'il faut sauter au tout dernier moment, genre là. Ouais. J'avais peut-être même sauté un peu trop tôt. En fait ça se voit parce qu'il commence genre à glisser le pauvre... J'allais dire le pauvre Conker. Le pauvre Crash. Vas-y. Ah, ça explose, même si... Ouais, bon, en tout cas, ça nous a pas eu. Donc, je crois que dans l'onde de choc, elle fait rien quand le truc, il est genre en mode spectral. C'est comme ça qu'il disait, je sais plus. Go. Oula. Ah non, mais ça va, ça va. Ouais, non. Non, 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 non. Punaise, je le fais exprès. Allez, go. C'est trop dur. Bah, ok, je l'ai eu. D'accord, en jetant le fantôme dessus. Je voulais essayer de sauter, mais finalement, c'est rien. Par contre, là, le mur qu'il y a tout à droite, je le vois bien me tuer une bonne centaine de fois. Qu'est-ce que bon sang. Ah non, ça va. Ah, j'ai eu peur. Ça va, en fait, en vrai. C'était vraiment nécessaire, ce que je fais, là. Pour avoir des caisses, alors qu'en plus, j'en ai loupé. Bon, ça va, je suis pas mort, mais... non. On va pas essayer. Ça va être horrible. Bon, souhaitez-moi bonne chance. Ah non, c'est pas encore là. C'est le suivant. Non mais en fait, je stresse, mais c'est vraiment pas dur. Hein. Des fois, j'abuse. Ok, en plus, le petit checkpoint. Donc c'est dommage, parce que c'est-à-dire que c'est pas la fin du niveau. Je peux y détruire ça. Ok. J'ai eu peur, mais pour rien, finalement. Ouais. Là, les pouvoirs des masques, genre, ils nous les mettent tous... c'était serré, quand même. Hein. J'aurais peut-être eu le temps, mais... Sait-on jamais. Y a pas de TNT, non, c'est bon. Allez, allez, allez. J'ai un coup. J'ai un coup. Comment j'ai fait pour être sauvé de ça? Non, mais les caisses et tout, ils sont pas sérieux. J'ai réussi à pas me faire toucher, hein. Mais je sais pas comment finir un niveau comme ça, 100% c'est pas possible. Ben c'est parti pour Ennui à l'horizon. Ouais mais ça me dit pas quel est son nom à ce mec, parce que je sais qu'il est pas nouveau, mais je sais plus comment il s'appelle. Oh bien, vous êtes arrivés. Et voilà votre récompense. Bon je passe quand même en rétro, mais je sais pas si... Fais recommencer le niveau à zéro. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Je vais avoir quoi, 3 vies? Probablement. Bien, il a beaucoup de vies lui par contre. Ah, j'en ai 4, ça va. Ne bouge pas. Quoi? Comment ça, ne bouge? Ok. Pourtant, j'ai bougé. Ça a l'air d'être vraiment pas dur, hein. Comment j'ai fait mon compte? Qu'est-ce que... Ah!
D'accord. Pas le visage, mais mec, t'es déjà grave moche, donc genre, c'est pas grave. Peut-être que même avec un coup de chance, je te rendrai un peu moins moche que ce côté là. Viens, vas-y, envoie ton truc là. T'es pantin gélatineux. Presque si moche que toi, hein. Mais il perd trop de vie trop facilement. C'est quoi ce délire? D'accord, d'accord, du calme, hein. Ah, il lui reste un coup. Je croyais l'avoir battu, mais non. Ouh, j'ai failli me jeter dans le vide. Pourquoi on ne prend pas au sérieux? Bah, je sais pas, t'es nul, c'est tout, t'es moche. Quoi? C'est Hulk ou quoi, le mec? Ah, mais je sais pas comment je fais, hein. Je lui saute dessus? Ah, bien! Nickel. Quoi? Je dois le jeter dans le vide. Oh, c'est comme les moches de Super Mario 64, en vrai. Ah, nickel! Bah, ça tombe bien, lui aussi, il est moche, hein. Vas-y, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Tiens, nickel. En plus, vu que j'ai ça, c'est plus facile de l'éviter, en vrai. N'oublions pas que j'ai qu'un PV, hein, donc... c'est plus facile de l'éviter, mais tout de même... Je suis mort. Non, what? Je sais pas comment. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, encore une fois. Non! Yes! C'est chaud, quand même. C'est un peu chaud, hein. Qu'est-ce qu'il fait? What? Qu'est-ce qu'il a fait, en vrai? Il s'est rendu plus rapide? Qu'est-ce qu'il a fichu? J'en ai aucune idée. Genre, pourquoi il a changé la couleur de l'environnement? Enfin, c'est rien, ça, c'est nul. Bon, d'accord, si tu veux. Vas-y. Et... je viens quand même pas de battre ce boss du deuxième coup. Et maintenant, mon dernier test, mon courroux reptilien, mon cloaque. Fichons le camp d'ici. Ils sont sérieux? Ils ont vraiment adopté l'œuf et tout? Genre, ok. Bon, par contre, le boss, mais grave facile quoi. Enfin, j'ai pas compris. What? Qu'est-ce qu'il a fait? Mode inverse déverrouillé. Rejouer les niveaux terminés en mode inversé. Un mode tout droit sorti du cerveau loufoque de Embryo. Avec encore plus de gemmes à récupérer. Mais c'est ça que j'avais vu dans la pub. Mais c'est ouf, dès qu'on finit un monde, on débloque genre plein de trucs dans tous les mondes précédents. Mais le jeu, mais pour le finir à 100%, mais ça va prendre combien de milliers d'années? Déjà, faut être bon. Ça, c'est chaud. What? Skin le classique de Crash déverrouillé? Mais wesh, mais bien sûr que je le mets. Non, c'est trop cool. On est où là? Ah, c'est pas genre la fête des morts là au Brésil ou je sais pas quel autre pays genre d'Amérique latine? Peut-être au Brésil. Je sais pas, moi j'y connais pas, je suis jamais allé. En plus, je dis ça, mais je crois que je viens de me rappeler que c'était le Mexique. C'est pas pareil. Trop bien la musique! Par contre, il y a des crocodiles. Ça, c'est un peu moins trop bien. Oh là là, mais les ambiances de ce jeu, c'est ouf! En plus, c'est des ambiances qu'il y avait même pas dans les autres, dans les anciens Crash, donc genre. C'est bien! Genre, je sais pas, il y a peut-être un jeu que j'aime beaucoup qui pourrait en prendre de la graine dans ces environnements. Je sais pas, je crois que ça commence par un M et c'est l'histoire d'un plombier. Mais je n'en dirai pas plus. Oh, oh, oh. Trop bien. Franchement, on prend trop de plaisir rien qu'à se déplacer et tout dans le jeu, c'est trop cool. Je le connais, lui. Mais attendez, mais c'est Spyro, mais attendez, mais c'est les Skylanders. J'y jouais au 1 et au 2. Spyro, salut. Je le tue, lui. Ah non, on peut pas. D'accord. On va rester là et on va tous les regarder. Ça va être long. Sinon, je vous suggère qu'on ne reste pas là et qu'on les regarde tous. En plus, je le connais. Mais attendez, mais ça, c'est pas Skylanders, le tigre. C'est le tigre sur lequel monte Coco. Dans Crash 2, je crois. Je sais plus, je sais même pas comment il s'appelle. Comment il s'appelle. Et en plus, on peut le jouer dans Crash, genre celui-là. Vous savez, avec les voitures, là. Qui est pas ouf. Hein. Genre, en vrai, je l'aime pas trop. Je l'ai acheté, mais je le... Enfin, genre, je veux dire, dans mes souvenirs, quand j'étais petit, ça avait l'air mieux. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? What? C'est des tompes? Mais attendez, mais c'est des tompes méchants parce que j'ai l'impression qu'ils s'effondrent. Non? Pas du tout. Pas du tout. Ça, j'aime pas trop.
Parce que le timing de ces trucs, il est quand même assez précis. Et je trouve pas ça très fun. C'est bon. Ok, on arrive dans des trucs un peu plus complexes. Oh, oh mon dieu! Heureusement que j'avais récupéré la cassette dès le début. Hein. J'ai flex, mais j'aurais pas dû. Ouais. Ok. C'est bon, la nitro, ce sera la fin du niveau. On peut les tuer? Ok, parce que depuis le début de ce monde, j'ai l'impression qu'on peut pas tuer les ennemis, donc c'est bien quand même d'en avoir un qu'on peut éliminer. Ouais... Mais attendez, mais le mec là... Attendez, pas lui. Meurs, il est moche. Quoi? D'accord. Mais le mec là-haut, là, le crâne, on dirait genre The Mask. Genre un crâne vert et tout, on dirait vite fait The Mask. Ouais, non. Si je reste dessus, c'est fou ou quoi? Non, je sais pas, genre ils font des tronches bizarres, mais on dirait qu'en fait ils s'en moquent. Mais c'est quoi, c'est les canons de Super Mario 64, ça? Vas-y. Oh, y'a Crash! Mais y'a Crash moche. Ce serait pas le faux Crash? Mais c'est le faux Crash, comment il s'appelle? Je sais plus, mais y'a un faux Crash! Genre, je sais, j'ai vu, il est même jouable dans les jeux de cartes, là, Crash. Ok. En plus, ça nous faisait rebondir ce truc, c'était pas prévu, hein. Il va y avoir un nouveau masque. Peut-être à la fin de ce monde. Qu'est-ce que c'est que ça, là? J'imagine on peut pas les tuer. Ah si! Bizarre! Vu la taille que ça et tout, genre tu te dis ouais non, c'est intuable et tout en fait. Bah non. C'est qui ce mec? Ça va être le boss. Genre le squelette là qu'il y a, ça va forcément être le boss, c'est obligé. Il a trop une tronche de boss. Et puis en plus il irait trop bien avec la zone. Donc en vrai je serais déçu si c'est pas le boss. Oh! On peut sauter plus haut, comme d'hab. Et ça, mais même en lui sautant dessus, je lui fais rien. Ah! Non, c'est bon. C'est bon, tranquille. Ouais, sauter au-dessus, c'est quand même mieux. Mais pourquoi on peut pas les tuer? Genre, il y a des fantômes, on peut les tuer, d'autres non, ça n'a pas de sens. Une vie? Oh, c'est vrai, je suis toujours en mode... Mince! Je suis toujours en mode rétro. J'ai oublié ce délire. Après ce niveau, faut que je le retire. Non, parce que le mode rétro... c'est bon, je peux plus faire ça, moi. Genre, c'est passé l'époque où je pouvais supporter de recommencer 20 000 fois un niveau. Par contre, j'ai loupé énormément de fruits. Très bien. Oh non, pas une bonus room. Bon, vous attendez quoi de moi, là? Je sais pas. Bah là, ça va, en fait, pour l'instant. Ils sont plutôt cool. Ah! D'accord. Je devrais peut-être pas le détruire. Il faut que je fasse demi-tour à un moment. Vu qu'il va y avoir toutes les caisses là à détruire. Là? Vas-y. Ouais, c'est ça. Quoi? Mais quoi? Pourquoi il y en a d'autres qui sont pas apparus? Ah bah génial! Deux boutons, ça se fait pas ça. Je suis mort. Ah bah! J'avais un coup. Mais j'en avais qu'un. Enfin bref, allez. C'est reparti. Essayons de pas mourir. Là, c'est plus facile parce qu'il y a des trucs quand même qui nous emmènent dans les airs alors que l'autre fois, non, quoi. Il n'y avait pas d'autres caisses derrière, non? On dirait que ça commençait par là. Ok, j'avais perdu le compte. J'aurais trop pu perdre ici, ça aurait été tellement débile. Surtout que j'ai perdu mon haku et que le haku ça ne réapparaît pas. Ah mais j'étais pas obligé de la détruire elle. C'est vrai qu'à la fin la TNT l'aurait détruite par... Enfin l'aurait fait exploser aussi. Enfin je crois hein. Ça les fait détruire vu qu'elles sont côte à côte, il me semble. Je suis pas 100% sûr. Ok. Attendez mais what? Mais je l'ai pas activé. Ah mais si. Ah non mais j'ai tout eu. Ok, oh vouf. très bien, parfait. Bon ben voilà, ok, super. Ah mais j'ai pas encore le truc. Très bien. Un petit à-coup là. Sérieusement, je l'ai perdu dans une zone bonus. Ce serait trop sympa de m'en redonner un, non? Ce serait même legit. Et la gemme cachée.
Non, parce que j'ai pas envie de réussir tout, sauf la gemme. Ah bah elle est là. Je l'attends et je le tue, hein. Mais il jongle avec quoi? On dirait il jongle avec des têtes. Genre il a pas de tête, donc peut-être qu'il jongle avec sa tête, je ne sais pas. Ah la gemme, c'est vrai que même si tu meurs, en vrai, elle reste dans ton inventaire, c'est cool. Allez, go! Il prend son temps quand même, hein. Je sais pas ce qu'il attend à chaque fois, mais c'est un peu long, hein. Ok. Ouais. Aïe. Il y a toujours le délire des trois morts, par contre, hein. Même quand on joue en mode... ben, rétro. J'y arriverai pas sans perdre une vie de plus, c'est pas possible. Ok. Non mais c'est pas mal ce truc, mais genre en vrai, c'est long, quoi. Wow, wow, wow. Aïe. Bon bah, je l'avais dit. Et j'ai que 61 fruits. Ah, c'est vrai que ça les compte pas pareil, parce que je gagne des vies quand j'en récupère 100. C'est pour ça. Alors ça, j'avais fait n'importe quoi quand même, parce que c'est pas dur, hein, mais... Et ils ont l'air de tirer assez rapidement, j'aime pas ça. Ok. Ouais... Ok, je comprends ce qu'ils attendent de nous. Ça va aller, ça va aller. En plus, il y a une vie. Ils donnent quand même plus de vie que dans les anciens Crash, non? Beaucoup plus, j'ai l'impression. Ouais. Vas-y, on se barre, on se barre, on se barre. Ok. Ah, il n'y a pas aussi ça, c'est aussi le fait que genre... Ok, nickel. Super. Comment je vais procéder alors pour ça? Parce que bon, j'aime pas du tout le timing qui nous impose. Ah bah c'est bon, j'ai même pas besoin de sauter sur le dernier. Ok, bon. J'avais encore une fois fait un peu n'importe quoi. Y'a rien en haut. J'aurais pu me faire avoir. Parce que si j'avais cassé la case plus tôt, je serais mort. Alors, ouais. Attendez, mais y'a aucun problème là. Ça faisait peur pour rien. Vas-y. Ok, je skip toute une partie, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et checkpoint, yes. Ça donne des... Genre j'ai eu des fruits ou pas dans le checkpoint? Je sais même pas que c'est possible. Vas-y, balance-moi là. Oh non. Oh non. Ça c'est bien, mais genre j'ai eu plein de caisses là-dedans, alors que je crois que j'en ai pas beaucoup loupé depuis le début, peut-être même aucune. Je serais peut-être pas... Ah non, me suicider pour récupérer des caisses, c'est pas une bonne idée par contre. Ah bah génial, génial, génial. J'ai fait n'importe quoi. J'ai loupé plein de caisses. Bon, c'est pas grave, je referai le niveau un jour, peut-être. Vas-y, rebalance-moi. En plus, c'était pas difficile, c'est juste que genre j'ai perdu les boutons et tout, genre. C'est le fait de m'avoir imposé un masque au dernier moment sans me donner le temps de me rappeler des boutons. Oh, bah c'est reparti. Je peux quand même essayer d'en avoir. Ah bah, génial. Je crois que j'ai appuyé vraiment trop tard. Mince. Mais là, j'y arrive parfaitement. Ok, c'était vraiment pas dur. J'ai loupé. J'ai cru que je tombais dans le vide. Oh punaise. Ah, le jeu il me fait des frayeurs. En plus, il a l'air trop beau le skin, dommage. Et bien les amis, nous dans tous les cas, on va en rester là pour cette vidéo de Crash Bandicoot 4 sur PS4. J'espère que ça vous plaît toujours. N'oubliez pas comme d'habitude de laisser plein de pouces bleus. Merci à ceux qui vivent cette série. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Salut.